life's a waste. It doesn't have to be that way. That's the way her mom, gave up his name. Crucified by the worst, nailed by shame. She stares into the sun, self-inflicted pain. She sees that they're blind. Why does she take all the blame? Her words never bleed. Her beauty lives in my eyes. Too bad she can't see. She doesn't try. Watch her spirits die. But giving up the ghost would feel so good. A warrior with wings. Perhaps she's a cure. She knows from anything. They have a lovely life. Yeah. It's all right. It's okay, welcome to this life. Killing time, just watching the grass grow. It's alright, it's okay, welcome to this life. Don't worry, sweet baby, cause it's over before you know. Come live, come alive. I know, still a drop. Bonsoir, Leah. Leah, right? Yes. Is that the right way to pronounce it? Perfectly, Leah Andreone. Yes. Donc, is this your first time to Paris? Est-ce que c'est votre première fois à Paris? No, it's not. I've been over on vacations, and I've been over a few times on promo. Léa est déjà venue en vacances, elle est déjà aussi venue pour des émissions. Is this the first time, it's like really big for you in Paris, in France? People love you, les gens vous adorent en France. Oh yeah, it's been so much fun, such nice people. So how did it begin? Comment est-ce que ça a commencé? It seems like it began like a fairy tale. On a l'impression que ça a démarré pour vous comme un conte de fées. Well, I had moved from San Diego and I got a job in a restaurant.
Elle est au départ de San Diego. Elle a déménagé. Elle avait trouvé un boulot de serveuse dans un restaurant. I was singing at night in clubs. Elle chantait le soir dans des clubs. And one morning, I heard a table of executives from RCA Records. Et un soir, alors qu'elle était en train de servir, de faire son job, elle a entendu à une table une discussion de gens de maisons de disques. Talking about the music industry. Parlant de l'industrie du disque, de la musique. So I ran home and I got a tape with some of my music on it. Alors, you left your job? I left my job. Like that? I asked permission. Alors, elle a demandé la permission de quitter son job et elle a foncé chez elle. Elle est allée chercher une cassette. And I gave it to the executive before he left. Elle l'a donné aux gens de la maison de disque avant qu'ils ne partent. He came back the next morning, asked me where he could see me sing. Il est revenu le lendemain matin, lui a demandé où il pouvait la voir chanter. And he came to a show. Il est venu à son show et voilà. And offered me a record deal. Et il lui a proposé de faire un disque. On dirait un conte de fées. Bravo. Great story. Thank you. Michael, bonsoir. Bonsoir. Nous, on va se parler en français, hein. Oui. Si tu es d'accord. Pas de problème. Alors toi, le conte de fées, ça s'est passé comment? Comment ça a démarré pour toi? En fait, je suis tombé un petit peu dedans quand j'étais petit, parce que je suis né au Pays de Galles et j'étais toujours entouré de musiciens. On nous apprend à chanter dès la maternelle et ça a continué. Le conte de fées, pour moi, le conte de fées, ça a commencé à l'école, quoi. Uh-huh. Ouais. Alors, on va parler un petit peu avec Leah Andreone, donc de cet album « Veiled ». Très autobiographique, very autobiographic, autobiographic. Some of it, yes. Some of it. Mm-hmm. Yes. C'est un... Je voudrais vous montrer un petit peu la photo à l'intérieur, si j'arrive à tenir mon micro et ouvrir le CD. Voilà, j'y arrive à peu près. C'est très pessimiste, cette photo. Is it very pessimistic, non? Do you know that that was actually me sitting honest to God like this, and the photographer said, stay there, stay there, and he took like 100 pictures like that. Ah oui, alors c'est pas du tout ce qu'on imaginait, c'est pas du tout pessimiste, en fait, elle était assise et avec cette attitude, et le photographe a trouvé ça formidable, et donc c'est ce qui a servi pour l'album. So not intentionally pessimistic. Ça n'est absolument pas intentionnel. Right. Kiss me, make me cry. How did I